Ok, le chrono de la qualif vient de débuter, on te fait un rapide topo sur la situation. La voiture a toujours des soucis de frein avec la température qu'il y a ce week-end, donc sois très prudent sur les freins. On va essayer de régler ça pour la course, mais on ne te garantit rien. Donc tu peux faire un beau chrono, tu n'auras pas la pole aujourd'hui. Il va falloir te donner sortir un gros tour si tu veux la pole, mais pour nous ça risque d'être difficile. Bonne chance. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue à Laguna Seca, dans la fournaise du désert de Laguna Seca, pour suivre eh bien, sur ce Mazda Raceway, la quatrième manche de ce championnat du monde de WTCC. On va vous tenir au courant de tout ce qui s'est passé depuis la manche belge de Zolder, où il y a eu pas mal de controverses. En tout cas, ce qu'on peut vous dire ici, c'est qu'il fait très chaud et que les voitures vont souffrir, notamment au niveau des freins et des pneus. Ok, on voit que la voiture a des soucis sur les gros freinages, sois prudent, freine peut-être un peu plus tôt et vas-y progressivement avec les freins parce que ça surchauffe chez nous. Et vous voyez actuellement à l'écran Maxou, le pilote, le local de la dernière manche qui eh bien, a fait beaucoup parler de lui après cette attaque suicide sur Yvan Muller lors de la dernière épingle, de la dernière chicane également à Zolder. Eh bien, il n'en retourne que finalement aucune action n'a été retenue contre bien, le pilote Citroën, puisque Citroën a prouvé à la direction de course qu'il y avait bien un souci mécanique sur la Célysée du pilote belge et que voilà, le freinage était comme au tour précédent, sauf que les freins n'ont pas répondu, il y avait un souci, une fuite dans le système et ça aurait même pu mal finir avec plusieurs tours. Il complète le premier secteur maintenant en 30 secondes, alors que c'est pour l'instant Mehdi Benani qui, aux estimations, est le plus rapide au volant de sa Honda Civic. Donc, on vous le disait, donc à Zolder, ça s'était mal passé. Il y a eu une excuse publique entre Yvan Muller et Maxou. Ils se sont serrés la main en conférence de presse hier. Il n'y a pas eu de souci entre les deux pilotes. Il y a entente cordiale chez Citroën. Mais c'est vrai que voilà, il a expliqué qu'il a appuyé sur la pédale, il a pompé, il n'y a rien qui est venu. Et là, il a préféré essayer de se mettre dans le... dans le mur, il a perdu quelques points, mais ça aurait pu être bien pire, on vous l'a dit. Donc on va voir si ici, Citroën peut bien continuer sa progression en avant, malgré les gros soucis de frein dont sont victimes les Célysées quand il fait chaud. C'est un petit problème qui va normalement arriver jusqu'à la prochaine mise à jour de la voiture qui devrait avoir lieu au Nürburgring, où là, la voiture devrait faire un grand bond en avant. Et là, c'est très chaud dans le dernier gauche avec Thiago Montero, je crois, qui a failli eh bien, gêner Maxou. Et ils vont tous les trois terminer leur tour chrono, alors que c'est Mehdi Benani qui prend le meilleur tour. Et non, Norbert Michelis, maintenant. Ce tour te met deuxième, P2, P2. Derrière Michelis, ça sert à rien de continuer, rentre, on ne pourra pas tirer plus de la voiture. Bien joué. Et c'est donc le Hongrois Norbert Michelis qui eh bien, a tiré le meilleur de sa voiture, de cette Honda Civic privée du Team Zengo, et qui va pour l'instant s'élancer en pole demain. Donc très belle performance de la petite voiture privée, mais les Honda sont beaucoup mieux ici, et en moteur et en châssis, que les Citroën Célysées. Le résultat de cette qualification, vous allez le découvrir maintenant avec la première ligne, donc où Norbert Michelis eh bien, a décroché la pole devant Maxou. Deuxième ligne 100% Citroën, troisième ligne 100% Honda avec Mehdi Benani qui avait fait pourtant une bonne qualif. La première Chevrolet, celle du Roll Motorsport, est 7e, Jenny Morbidelli 9e. Ma, la seule Citroën de nouveau en dehors du top 10, qualification difficile pour le pilote chinois qui apprend encore la voiture. Roboeuf 13e, première des Lada, et enfin Kozlowski qui de nouveau ferme la marche de cette qualification. On est maintenant sur la grille de départ, les feux qui s'allument, ça va partir sous le commandement de Norbert Michelis dans quelques secondes, quand les feux s'éteignent, quatrième manche du championnat, et on roule à Laguna Seca, et c'est très bien parti pour Norbert Michelis, également pour Lopez qui prend l'intérieur et Muller, les trois Citroën sont côte à côte dans la montée, il y a eu beaucoup de contacts de nouveau du portière contre portière avec Lopez et les deux Citroën qui ont pris le poleman, un de chaque côté. Très belle manœuvre, en tout cas ça passe pour tout le monde dans l'épingle Andretti, le deuxième virage. Et sous le commandement donc de Norbert Michelis, devant José María Lopez, troisième Yvan Muller, quatrième Maxou. Et le contact avec Yvan Muller, de nouveau décidément, ces deux-là ne se lâchent plus depuis le début de saison. Ça en devient inquiétant pour Yves Maton qui va devoir gérer tout ça au fur et à mesure des meetings. En tout cas derrière, beau départ de Gabriele Tarquini et de Thiago Montero qui ont réussi à reprendre un petit peu de place. Coronel est 8ème, il a perdu une place aussi, je ne dis pas de bêtises. En tout cas Mehdi Benani a su se hisser dans le top 5 alors qu'il était derrière Thiago Montero. On va presque attendre la fin du tour pour faire un topo parce que là ça bouge énormément en fin de peloton et à l'attaque du Corse Crew pour la première fois. Attention avec les pneus et les freins. Il faut freiner tout doucement ici pour ce gauche-droite en dévers, un virage très particulier.
Et voilà, la réalisation qui nous propose le replay de ce qui s'est passé au départ. Donc départ en montée, particularité ici, et très bon envol pourtant de la Citroën de pôle, mais qui n'a pas réussi à passer la puissance sans patiner. Et derrière, on était quasiment à 3 de front de nouveau avec Benani au milieu, Coronel à gauche et usine à droite, c'était celle de Thiago Montero. On voit le passage de l'épingle et Tom Coronel qui a mis un beau push à Mehdi Benani, mais tout le monde passe sans encombre. Il y a eu du contact, mais c'est resté correct, tandis que derrière les deux Chevrolet du Roll Motorsport tentent de remonter un petit peu le contact entre le pilote belge et le pilote français. Et derrière, Tom Chilton qui va dépasser Hugo Valente, qui avait pourtant pris le meilleur au départ pour le pilote qui s'est lancé de la 10e place. Et derrière, les autres suivent avec les Honda privés, les Lada également, qui sont en fond de grille et en fond de peloton maintenant. Et retour au direct, il termine le premier tour. Et on va vraisemblablement le terminer sous le commandement de Norbert Michelis. Mais par contre, derrière, c'est un peu plus indécis puisque très belle sortie du pilote belge dans la ligne droite. Attention, va-t-il y avoir une attaque déjà sur Yvan Muller à l'extérieur? Les soucis de frein sont pareils qu'hier, mais ça semble s'aggraver. Fais attention, mais tu as l'autorisation d'attaquer Yvan. Tu peux attaquer Yvan, mais garde la prudence. Alors on prend énormément de précautions lorsqu'on s'adresse aux pilotes chez Citroën maintenant. Donc il y a des soucis clairement de frein sur la Citroën, c'est assez intéressant. La chaleur qui fait peut-être souffrir la voiture, ou les réglages ne sont peut-être pas aussi optimisés que ça. On attend vraiment beaucoup de l'évolution de la voiture au Nürburgring lors de la 5e manche la semaine prochaine. On vous donne déjà rendez-vous sur le tracé allemand. En tout cas ici on voit que certes les problèmes sont là, la surtemperature est là, mais l'attaque et la volonté de récupérer la 3e place aussi. Alors, est-ce qu'on va attaquer du côté de Citroën, ou est-ce qu'on va de nouveau tenter d'instaurer des consignes? On a vu que ça n'avait pas beaucoup marché à Zolder. Et là, par contre, pour le corkscrew, il y a une possibilité à l'intérieur pour le pilote belge. Yvan Muller laisse la place. Ils vont freiner à deux de front. Et Lopez qui freine un peu plus tôt. Alors, est-ce que ça va passer? Attention, il faut se laisser. Ah, ils se touchent! Ils sont côte à côte. Et ils sont toujours côte à côte. Ça, c'est très beau, la bagarre pour la troisième place. Et l'avantage au pilote belge. Et Muller qui recroise à l'intérieur. Il se touche, il l'envoie dans le gravier. Muller qui envoie le pilote belge hors piste, il refreine à l'intérieur. Est-ce que Maxou va reprendre cette troisième place? Ils sont toujours côte à côte, c'est formidable cette bagarre. Ils sont tous les deux côte à côte, ils freinent un peu plus tard à l'extérieur. L'avantage à la trajectoire pour Muller qui de nouveau donne un coup de roue dans la ligne droite des stands. À combien vont-ils passer le transpondeur d'écart? Et c'est maintenant la troisième place que vient de récupérer le pilote belge. Mais attention, il pourrait y avoir changement au freinage du bout de ligne droite si Muller est motivé. Et Muller qui se présente, mais qui maintient la quatrième place. En tout cas, ça a été très très serré. On va revoir l'ensemble de la manœuvre en ralenti. Merci à la réalisation. Et c'est parti de très très loin. Donc c'est avant le corkscrew. C'est dans la ligne droite Raal et le gauche ici. Et là, il va se présenter à l'intérieur. Les deux voitures vont freiner et vont rester côte à côte pendant quasiment tout le troisième secteur. C'était une belle passe d'armes entre les deux pilotes et ça bloque les roues. Et vous voyez donc le plan du corkscrew qui vous donne bien l'idée du dénivelé de ce circuit de Laguna Seca, ce Mazda Raceway. Et donc le passage ici où Muller, voilà, coupe la trajectoire et donne un petit coup de roue, c'est autorisé, c'est du touring car bien sûr. On peut pousser mais pas mettre dehors, la limite est dure à trouver. Et de nouveau ici, ils sont côte à côte et ils vont freiner l'un à côté de l'autre. Alors que derrière on voit que également Montero klaxonne sur Benani. Et de nouveau, voilà, dans la ligne droite des stands, au passage du transpondeur, la voiture du pilote belge qui fait la différence. Mais attention à, aux freins qui sont très limites pour ces voitures de tête. Bravo, bravo, belle manœuvre, bien joué. Tu es troisième au général, mais fais attention, nos quatre voitures ont des soucis de freins. Ça pourrait ne pas aller au bout. Fais attention aux freins. Alors d'un côté on félicite le pilote pour sa manœuvre, mais de l'autre côté on a une information très importante qui pourrait peut-être changer le déroulement de cette épreuve. Attention, donc la chaleur qui pose de gros soucis, plus que prévu, on dit que ça pourrait ne pas aller au bout. Alors que faut-il comprendre par ce message qui a été, on me le dit, oui on nous précise, oui voilà, donc le message a été donné aux 4 pilotes chez Citroën, donc même Mac qui est en fin de peloton souffre. Alors il est possible que ce soit tout simplement la chaleur des voitures de devant. Donc même Lopez, ok, il se fait attaquer là dans le corkscrew, c'était serré cette attaque là, mais pas de changement de position devant, alors qu'on va bientôt arriver à la mi-chemin au niveau du chrono, du temps de course, et statu quo devant, hein. Les premiers n'ont pas bougé, même si là, eh bien, Gabriele Tarquini a repris la 7ème place à Tom Coronel au prix d'un freinage dans le corkscrew, bien joué au pilote italien.
Et on va ici de nouveau voir la bagarre à l'extérieur sur José María López. Est-ce que la deuxième place va se jouer de nouveau au freinage alors que c'est le Belge qui prend en 1:29.820 le meilleur tour en course? Alors, il freine. Vous voyez qu'il freine beaucoup plus tôt que López. Donc, il y a vraiment un souci sur les freins pour la voiture de Maxou. Et là, c'est Yvan Muller qui se présente de nouveau côte à côte. Décidément, ils vont plus lâcher les garçons. Ils sont de nouveau côte à côte. Là, ça va être très serré. Et Muller a repris la troisième place potentiellement. Mais à l'intérieur, le Belge qui va maintenir la différence. Attention, le prochain virage est à gauche. Ça peut être à l'avantage d'Yvan Muller, l'Alsacien qui est placé à l'intérieur. On va voir ça tout de suite. Ouh, ils sont vraiment... Décidément, ils vont plus lâcher cette saison, ces deux-là. Et de nouveau, Yvan Muller. Mais quelle passe d'armes formidable. Ils sont côte à côte. Et ça va de nouveau se jouer. Ouh, c'est très serré. Ils se touchent dans le gauche. Alors là, franchement, moi j'aurais des sueurs, d'autant plus de la chaleur dans le box Citroën, parce que là, les deux garçons s'expliquent de manière tendue et au prix d'un freinage très 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 limite. Eh bien, le pilote belge conserve sa troisième place. Mais que d'émotion. En tout cas, le pilote belge qui, s'il continue à freiner au même point que les tours précédents, peut avoir des problèmes, parce que là, il y a vraiment une alerte. On vous met pas tous les messages radio, mais c'est compliqué de gérer les freins visiblement chez Citroën et particulièrement chez Maxou qui va percuter José María López. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est le tête à queue pour l'Argentin. Tête à queue pour le pilote argentin qui bloque tout le peloton. Le peloton est arrêté dans le dernier gauche. Alors que va faire la direction de course? Ok, Pechito était en tête à queue à l'épingle. Il a bloqué tout le peloton. C'est un gros bordel derrière. Reste toi et Michelis devant. Fais attention, les freins, c'est de pire en pire. Vraiment, fais attention à tes freins. Qu'est-ce qui s'est passé chez Citroën pour qu'on vive ce genre de choses incroyable? On va voir le replay de ce qui s'est passé à l'épingle. Pourquoi López est bloqué et ça s'est passé? En fait, López est parti en tête à queue au moment, voilà, au moment où il y a le freinage de Maxou qui est beaucoup trop tardif. Et bien, López perd la voiture. Et comme vous le voyez, et bien, ils restent tous ensemble bloqués sur la dernière épingle. Donc là, vraiment, gros carton jaune pour le pilote belge. Ouais, il y a des soucis de frein confirmés, mais enfin quand même, là, ça devient... Et non, et en fait, voilà, c'est... On apprend à la radio que c'est bien López qui a freiné plus tôt parce qu'il avait des soucis de frein et qui a été percuté par le pilote belge. Donc on va vous tenir au courant de ce qui se passe après la course. On va revenir au direct. Voilà, ils sortent maintenant du corkscrew et il y a un immense écart de 7,9 secondes entre Michelis. Alors on va refaire un point sur le classement parce qu'il y a eu énormément de changements. On a notamment perdu... les deux pilotes Citroën qui étaient aux avant-postes, Yvan Muller et José María López. Ça, c'est un petit peu un coup de tonnerre au championnat. Et regardez, voilà, le freinage qui est correct pour l'instant pour Maxou, qui va peut-être aller chercher la victoire si Norbert Michelis, eh bien, reste à l'intérieur. La Citroën qui respire mieux que le moteur Honda, attention. Et de nouveau, il enchaîne les meilleurs tours en course, il améliore de quelques centièmes à chaque fois. Il se présente dans les rétroviseurs de Michelis, mais il freine plus tôt, hein, le pilote belge. Donc vraiment, là, après 5 tours, c'est... C'est à la corde qu'il pilote. Le point sur le classement, Michelis, Maxou, Montero, Gianni Morbidelli qui se retrouve 4ème alors qu'il était au-delà du top 10 au moment de l'accident. Hugo Valente, 5ème, le pilote Chevrolet. Alors là, on a deux Chevrolet dans le top 5, c'est assez impressionnant. Alors on voit, oui, donc Tarquini 15ème, Muller, donc Yvan Muller qui est 13ème, Tom Coronel 16ème. 16ème Tom Coronel. Alors on continue le classement, donc 5ème Hugo Valente, donc sur la Chevrolet. Et Ma derrière, attention, Ma qui est 6ème, qui pourrait reprendre des places. Et c'est très chaud devant, on revient sur la tête de course avec la bagarre entre Michelis et Maxou et le freinage du corkscrew qui peut être décisif. Attention, il va rester 1 minute 22, donc on va certainement rentrer dans ce qui sera la dernière boucle de cette manche américaine. Et c'est très indécis pour la victoire. Derrière, l'écart est toujours de 7 secondes avec Montero 3ème donc. Et Gianni Morbidelli 4ème, le vétéran italien qui avait fait quelques bonnes performances lors des manches précédentes, mais qui n'a jamais été à pareil fait au classement d'une épreuve. Alors le dernier gauche, et on va rentrer, voilà, à 50 secondes quasiment au passage du transpondeur, et bien dans le dernier tour de course. Et il va rester peu d'opportunités, mais il y en aura encore pour doubler. Dernier tour, on te conseille de ne pas attaquer, mais si tu veux attaquer Michelis, on te laisse le choix, mais fais comme tu veux. Mais nous, on te conseille de rester derrière parce que les freins sont morts, les freins morts et pneus morts, fais très attention. Alors, que va-t-on choisir dans le chef de Maxou? Et Robeuf 7ème et James Thompson 9ème avec les deux Lada.
Très bien joué avec entre Borkovic et 10e José Maria Lopez. Müller est 13e, ça c'est vraiment une catastrophe. Mehdi Benani 14e et 15e place pour Gabriele Tarquini. Et on va se concentrer maintenant jusqu'à l'arrivée de cette course et bien sur la bagarre pour la victoire qui fait rage entre le pilote hongrois qui tient toujours la tête malgré une voiture plus lente, qui se fait montrer dans les rétros par le pilote belge qui va placer ici la voiture à l'intérieur. Il le tente de glisser sa Citroën mais ça ne passe pas, il n'y a pas la place. Et le dernier freinage pour le Corse, attention au frein parce que ça peut mal se passer. Ils se touchent, les deux voitures partent en tête à queue. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils retouchent Michelis. Qu'est-ce qui s'est passé? Incroyable. Laisse passer la Honda, laisse passer la Honda. Ta lame avant est tombée, le disque avant gauche est fendu, fais attention. Tu peux essayer de ramener la voiture le plus vite possible, mais laisse passer Michelis, tu lui dois la place de tête. Incroyable ce qui s'est passé dans le Corse Roux et Tarquini, Montero pardon, le pilote de Honda qui est revenu 3ème et Norbert Michelis qui va donc remporter l'épreuve puisqu'on a demandé à Maxou de laisser passer Michelis mais les deux pilotes ont complètement loupé leur freinage et en résultant de tout ça, eh bien c'était un bazar monstrueux au Corse Roux et victoire donc de Norbert Michelis qui s'impose dans cette course folle ici. Deuxième place, P2, bien joué. Ça a été compliqué avec les freins. On a parlé avec l'ingénieur de chez Zengo. Ils vont pas porter plainte après la course pour l'accident qu'il y a eu au Corkscrew avec, avec Michelis. Mais on a de quoi montrer à la direction de course que tu as eu un souci de frein. Le disque était fendu, donc tu pouvais plus freiner à l'avant-gauche. Ça explique que ta voiture est cassée. De toute façon, tu l'as senti. Bien, bravo, deuxième place. On va faire les calculs. Rentre tout doucement. Au pire, arrête la voiture sur le circuit. Voilà, on a l'info. Arrête la voiture sur le circuit, rentre à pied, de toute façon tu pourras plus freiner. Et donc le résultat de tout ça, eh bien, c'est que Norbert Michelis prend la 4ème place au classement des pilotes, vous l'avez vu. Égalité parfaite entre Yvan Müller et Thiago Montero qui ont perdu énormément de points aujourd'hui. Montero en a gagné, pardon, mais Yvan Müller en a perdu beaucoup. Lopez 6ème, le P également. Gianni Morbidelli fait une belle remontée avec 28 points et le leader du championnat c'est toujours Maxou avec donc 9 points d'avance sur le français Yvan Müller. Je vous donne déjà rendez-vous pour la 5ème des 12 manches de ce championnat qui aura lieu sur le tracé allemand du Nürburgring. D'ici là on va commencer la tournée germanique du championnat. D'ici là, eh bien, portez-vous bien. Merci de votre fidélité à cette série. Je vous souhaite une bonne nuit si vous êtes levé pour suivre avec le décalage horaire de cette course américaine, eh bien, la manche de Laguna Seca. Donc rendez-vous au Nürburgring. Merci de votre écoute et à bientôt. Au revoir.